Cet esprit est responsable de la puissance de Baras. Il faut le détruire. Oh non, mon ami. Elle est aussi vieille que la Force. Elle est le côté obscur. Nous devons la libérer, pas la tuer. Il est parti chercher le soutien du Conseil Noir sur Korriban. Ça a toujours été son plan, Kadeshek. Faites attention, Excellence. Thanaton sera bien entouré. Non, on va pas le chercher. Si. En plus, t'es obligé de m'aider sinon je vais mourir. Et si je meurs, de 1 tu vas devoir me réa. Et de 2 tu vas devoir le raffronter parce qu'il aura perdu toute sa vie. Tu vas le raffronter tout seul. Si tu viens pas. Tout. Rah. En vrai, est-ce qu'on finit aujourd'hui? En vrai, je sais pas. En vrai, ça va dépendre. Ça dépend à quelle heure on arrive sur Korriban. Bah, en vrai, ouais, mais dans tous les cas, faut qu'on parle à nos partenaires quand même, donc je sais pas, on verra. Je sais pas du tout. Non. Parce que attends. Mon inventaire est plein, mec. Ça fait un moment, tiens. À plus tard. Ça faisait longtemps. Non, parce qu'on doit aller sur Korriban et ils nous donnent des laissés-passer pour la flotte. On aille plus vite. Ils nous donnent des laissés-passer pour la flotte. À quoi ça sert? Tu vas là pour aller sur la flotte et tu prends une navette pour aller sur Korriban et puis voilà, t'es arrivé sur Korriban. Bah oui, mais t'es pas censé juste prendre. Enfin, toi, ton vaisseau, tu peux y aller, non? Ouais, mais c'est. Il va falloir aller au Statioport, c'est bien plus rapide de prendre la flotte. Bah, je suis pas spécialement d'accord. On va prendre nos persos avant d'avoir fini de faire ça. On va quoi? Je pense pas qu'on va avoir parlé à nos persos avant de finir notre flotte. Nos partenaires? Ouais. Parce que tu penses qu'on peut pas utiliser nos vaisseaux? Bah si, on peut, mais ça va être bien plus long. Mec, t'as pas un vendeur? Là, je suis dans la merde, là. Mais soule-moi. Mec, je suis dans la merde. Comment tu fais? Mais mec, je sais pas. Il m'est resté... Là, j'étais à 40 places remplies seulement, et là, c'est reparti en couille. Alors que Jessa est parti vendre, en plus, hein. Pour te dire... Franchement, j'en sais rien, c'est un mystère. Jessa, viens s'il te plaît, par contre. Bonjour. Merci. Putain, l'endroit est tellement. Mec, mets un truc pour vendre. Mais non. Mais si. Mais non. Putain, pète les couilles, toi. Bon, je vais le mettre. Je vous attendrai. C'est trop tard, j'ai envoyé Jessa. Ouais. C'est beaucoup trop tard, mec. Eh bah, je te le mets pas. Toudun. Faut qu'on nettoie la zone. Je vais nettoyer. Tu peux pas rappeler c'est quoi mon surnom? Monsieur Prap. Oui, exact. Putain, mais c'est pas possible, c'est quoi dans un inventaire? Il y a des trucs tout le temps. C'est une blague ou quoi? Mais mec, bien sûr que je rage. Je me fais chier à trier mon inventaire pour qu'il soit plein derrière. Je rage un peu. Bien sûr que je rage. Ah, Jessa, tu peux venir. Je vais lui faire des petits cadeaux. Par contre, j'espère qu'elle va aimer parce que... Au grand. Mais putain, arrête de lancer des combats, je dois lui faire des cadeaux. Désolé mec, c'est pas de ma faute. Putain mec, déjà que j'ai mon inventaire plein, alors en plus je lance des combats toutes les 5 secondes et que ça fait encore des loots, mec, je m'en sortirai jamais en fait. Bon, c'est bon. Mais putain mec. Mon inventaire est encore plein. Bah bravo. Bah bravo. Eh, t'as intérêt qu'il n'y a pas besoin de heal, hein. Parce que là, c'est fini, hein. Oh là là là. Jessa, mets un truc pour vendre maintenant. Attends, il y a un ennemi là-bas.
Ouais, mon inventaire est encore plein. De ça, je viens à peine de partir, il est déjà plein. Comment je fais, moi? Ah non, mais... Mais pourquoi t'as plein de trucs sur toi qui servent à rien? Mais parce que je les ai vendus, mais ça a revenu entre deux. Non, mais c'est possible. Non, mais en fait, il y a pas mal de trucs qui me servent, parce que c'est des trucs de qui sont ultra forts, mais c'est pas de mon niveau, en fait. Du coup, tu t'en fous, tu les vends? Mais non, je les garde, j'en aurai besoin un jour. Oh là 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 là. T'as quand même été un vendeur, hein, si tu veux... Ah bah merci, enfin. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort, je te remercie, Jessa, je sais que je suis pas mort. Ouais, je t'adore, je sais pas que je t'aime bien, je t'adore. Attends, en plus j'ai un truc qui contient... Oh, non mais attends. Je vais vendre des trucs, les Medipack déjà ça tège. Les Medipack ça tège. Mais qu'est-ce que t'es parti foutre, mec? Ton robot il a disparu. Mais mec, tu pètes les couilles. Remets ton robot là. Mais viens, prends l'ascenseur. Putain. Il est nerveux. Sérieux? Ah mais c'est bon, j'ai vu. Oh là 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 là. Mais il est où? Ah bah il a disparu. Mais putain mec, mais t'es sérieux? Oh là là là. C'est toi qui es trop long. J'espère que ça va aller, bah ouais, faut que je vende. La voilà. L'entité. Une énergie du côté obscur d'une telle pureté. N'est-elle pas tout simplement magnifique? Tout ce que je vois, c'est un moyen d'éliminer Barras. Approchez plus près. Vous êtes ici pour m'aider. Barras sait que je ne peux résister. Il a profané ma dernière demeure où j'attendais mon amour, votre empereur. Je suis lié. Chaque prélèvement est une souffrance. Si vous échouez, il me punira pour vous avoir accueilli. N'ayez pas peur, entité. Votre épreuve est terminée. Je connais l'incantation. Ça va être facile maintenant. Non, vous ne comprenez pas. Nous ne sommes pas seuls. Ah! Enfin, je te retrouve. Je te l'avais dit, rien ne peut me tuer. Tu ne te lasses jamais d'échouer, à moins que tu n'aimes souffrir. Je me nourris de la douleur. Pendant que tu me regardais brûler, je me nourrissais de douleur. Quand Barras m'a reconstruit, l'angoisse m'a désaltéré. Mes yeux ne sont plus de chair. Je vois différemment maintenant. Et t'as vu mes cœurs et me réjouis. Dans quelques minutes, le grand Dark Voron se désintégrera et l'entité sera à jamais sous le contrôle de Barras. Vrai, le champ de mort est alimenté par les mécanismes de Drak. C'est tout ce que je voulais entendre. La vengeance est à moi. Bon, par contre, Dark Vador, hein, on va l'envoyer au casse-pipe, parce qu'il commence à me les briser, celui-là. Dark Vador. Ouais, non, bah ouais, Dark Vador, le mec, il est brûlé et il revient quand même. Tu commences à me les briser, garçon. Dark Vador du pauvre, je l'avoue, mais bon. En plus, qu'est-ce qu'il est laid. On aurait pu te mettre un masque, quand même, hein, qu'on n'ait pas à voir ta sale gueule. Ça aurait été sympathique. Mais l'entité, c'est la femme de l'empereur, what the fuck. Ok. Le champ de mort meurt avec Drak. Quelle fin! Je n'ai jamais ressenti une telle douleur. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Mais je suis heureux de vous avoir vu détruire ce monstre.
Attendez de me voir vaincre Dark Barras. Oh, quelle idée! Mais profitons pleinement de la victoire présente. Entité, est-ce que Barras est au courant de ce qui s'est passé ici? À travers moi, le profanateur voit tout ce qui se passe. Merveilleux! Il doit être fou de rage. Bien, procédons au rituel. La dernière porte, entre vous et l'au-delà, est ouverte. Vous avez été une révélation. L'heure est venue pour vous d'affronter Dark Barras. J'attends ça depuis trop longtemps. Tout comme moi. Maintenant encore, Barras est presque indestructible. Mais je ne vois pas quoi faire de plus pour l'affaiblir. Dites à la main que le Conseil Noir attend. Je serai là pour vous faire entrer. Ah oui, non, c'est vrai qu'il est au Conseil Noir, lui. Merde, je peux pas crever tout le monde. Mais toi, faut que t'ailles où, là? Sur le corridor et toi? Ah bon, faut que j'aille à l'eau terminale de mon vaisseau. Ah, bon bah. Au pire, mec, si on fait genre une demi-heure ou une demi-heure en plus, ça te dérange? En vrai, je vais devoir aller faire mes maths après, donc ça va être chaud. À quelle heure? Bah là, après, ma mère, elle va m'appeler. Ouais, mais à quelle heure exactement? Bah j'en ai aucune idée, mais elle va bientôt m'appeler. Je fais juste mes maths, et puis après, il faut que j'aille avec elle. Mais c'est sûr que ça va avant 17h, même peut-être 16h30. Ok, bon bah on verra alors. Bon vas-y, on y va. Bah du coup on va sur... Merde, bah, on va... Je prends un truc pour la flotte. Vas-y, on se TP. Je vais sur Corriban. Non mais mec, passe par ton vaisseau quand même. Bah allez, au pire je vais sur... Bah au pire... Attends, je vais aller... Cantina de Coronas. Au pire, bah attends, je fais juste mon vaisseau. Je fais juste mon vaisseau, genre le terminal, et après on va à Corriban. Genre, je fais le... Parce que, bah moi, faut que j'aille le terminal de mon vaisseau. Et ensuite, je te rejoins sur la flotte, ok? Ok. Vas-y. Donc, par contre, hein, pas que le temps de chargement, il prenne 25 ans non plus. Du coup, c'est parti, je vais à mon vaisseau. Bah non, mais pas besoin de me rejoindre sur la flotte. Si, si, mais comme ça, on y va à deux. Ça fait stylé un peu. Comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Par contre, j'ai combien de trucs? Oh, ça a l'air d'aller les trucs. Je pense que j'ai pas trop besoin de vendre pour l'instant. Attends, par contre, y a un truc que je peux... Voilà. Ouais, non, ça non. Attends. Ouais, des trucs que je peux utiliser en fait, mais que j'avais pas utilisé. Ok, ok, donc c'est parti. Donc les gars, là, la team, on va du coup... on va au hangar et à Essit. Donc pour voir comment ça va évoluer tout ce petit bordel. Donc je vais aller à mon terminal de mon vaisseau. Donc, je vais parler à serviteur 1. Donc à la main de l'empereur, hein, c'est vrai qu'il s'appelle serviteur 1, ce fou. Là, t'es sur la flotte. Ouais. Ok, ok. Donc bah moi, on va faire comme s'il est sur la flotte, je vais juste pas parler à mes partenaires. Et let's go. Et let's go. Du coup, grosso merdo, on y go. On y go, on y go. Donc là, les gars, là, c'est la fin, mais plus que la fin, genre. Genre, vraiment, là, on est vraiment sur la fin de ouf. Genre, on n'a jamais été aussi proche de la fin, je pense. C'est pas je pense et j'en suis sûr. Après, il y a eu le corona, tu vois, donc... Y'a quoi? Non, rien. Bon, la saucisse fait de l'humour. Du coup, bah là, je vais être en cinématique, du coup, c'est parti.
venu d'affronter Dark Barras maintenant. Il n'a plus de prise. Voron est sauf. Les efforts de Barras pour devenir la voix de l'Empereur sont voués à l'échec. Ce qu'il reste de Dark Barras est à vous, Fury. Il est parti sur Corriban. Faites ce que vous avez à faire. Je vais le faire payer pour tous les outrages que j'ai subis. La Fury doit se méfier de l'aveuglement. Le pouvoir de Barras est grand, caché. Dark Voron retourne lui aussi sur Corriban. Barras n'ose pas s'en prendre à lui à la vue du Conseil Noir. La porte est privée de ses gonds. Voron vous aidera à obtenir l'autorisation de vous poser et vous introduira dans la chambre du Conseil Noir. Voron a gagné ma loyauté. Le Conseil Noir n'apprécie pas les intrusions. Et Barras a toujours des soutiens là-bas. Voron vous accompagnera. Vous devrez ensuite exprimer la volonté de l'Empereur. Libérez la Fury de l'Empereur. Je vais libérer la Fury de l'Empereur. Ouais. Par contre, il est pas si fou que ça, le sap que j'ai. Passe de 5, laissez-nous passer direct et gratuit pour la flotte. Ah mais je sais pas vraiment, c'est... Toi t'as utilisé un laissez-passer pour la flotte? Ouais. Un des 5 que t'as eu? Ouais. Bah quoi ça sert? Bah ça t'envoie directement sur la flotte. Bah mais tu peux le faire avec ton truc de base, ouais, non? Ouais mais avec ton truc de base tu peux pas le réutiliser, tu dois le réutiliser tous les je sais pas combien. Bah je fais avec mon truc de base moi tant qu'à faire je m'en sers jamais. Mmh. Putain par contre c'est quoi le truc des poids, voilà c'est bon. Parce qu'en vrai tant qu'à faire c'est tous les 3 heures ça va en vrai. Vas-y j'arrive mec j'arrive sur la flotte. Donc là en gros il m'a dit que je dois aller fumer, mais c'est vrai que je dis qu'on va fumer tout le Conseil Noir, mais Voron c'est quand même un pote donc va quand même falloir pas qu'on fume Voron, hein, ça serait un petit peu ballot. Mais ouais bah du coup on va pouvoir déglinguer tout le Conseil Noir parce qu'on a un pote dedans. C'est vrai que je me suis un peu enflammé quoi, j'étais en mode on va tous les fumer mais il y a notre ami quand même. Donc bon va falloir pas quand même falloir qu'on fume notre pote, ça sera un petit peu con. Ça serait des trucs ça serait un peu dommage quoi hein, genre voilà quoi. Fumer notre pote, je ne pense pas que c'est la bonne chose à faire. Oh, t'es où sur la flotte exactement? Bah à côté de toi. Mais je suis pas arrivé encore. T'es à côté de moi, mec. Tu sais que je suis dans un putain de temps de chargement. Par contre, le temps de chargement, il est 25 ans et il se termine, ce con, ou... Ou demain, oh, c'est bon. Putain, c'est quoi ce bordel? Oulala. On va y arriver. Bon, c'est parti. Vas-y, remets ton pouvoir, vite fait. Yep. Du coup, Manier, donc attends, c'est où Corriban? De l'autre côté. C'est là-bas, j'ai vu, ouais. Donc les gars, let's go to Corriban, où on a commencé. C'est que dans un montage que j'ai fait un petit flashback de quand on était à Corriban. Mais non. J'ai fait un petit flashback de quand on est arrivé et tout, avec ton bâton de Gandalf et tout. Non, mais arrête. Mec, pourquoi t'es enfin dans un mur? Bon allez on y va. Eh hey, Chewbacca. Allez c'est parti. Bon allez c'est parti. Hop hop. T'imagines le mec qui s'enflamme tellement qu'il se trompe de truc, il va à Uto. Allez. Let's go. On peut pas. Alors la saucisse. Oh non. Mais MDR, bon, on y va des manières conventionnelles alors. Hein. Eh oui. Eh oui. On va y aller, bah ouais. Bah par nos vaisseaux quoi, le... Mon vaisseau il a spawn un peu tard. Oh là 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 là.
C'est qu'en plus mon vaisseau il s'appelle Fury, c'est le destin j'ai envie de dire. Toi il s'appelle Fury aussi. Mais toi tu n'es pas la Fury de l'Empereur. Quoi? Je suis mieux que ça. Vas-y, t'es quoi? Sofa. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Si, t'es juste... Kalig. Le seigneur Kalig. Bon, allez. Maintenant, bah, on va sur Corriban de manière... conventionnelle, quoi. Allez, let's go. Après, les gars, vous inquiétez pas, hein, ceux qui veulent voir les dialogues. Il y aura. En plus, de... bah, je devais. En même temps, c'est parce qu'il faut utiliser le terminal, c'est pour ça, hein. Moi, non, c'est en chambre du conseil noir. Non, mais il faut que je utilise le terminal. Bah, moi. Vas-y. Non. Donc, champ sématique maintenant. Voilà. L'attente me fait bouillir le sang. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 100 ans. J'ai hâte de voir la tête que fera Dark Barras quand je vous présenterai au conseil noir. Assurez-vous que votre holocaméra soit prête. Cet instant passera à la postérité. Dommage que je ne puisse pas vendre de billets. Rejoignez-moi dans l'antichambre du Conseil Noir. Personne n'osera vous empêcher d'y aller. Là, en gros, j'ai parlé à Voron et il m'a dit d'aller dans la chambre du Conseil Noir que personne n'osera s'opposer à moi. Donc du coup là, et puis il a dit devant la gueule de Barras quand il vous verra arriver. Et moi je lui ai dit, ouais vous devriez tout enregistrer. Et là il a fait, faudrait même que je puisse donner des billets. Enfin que je fasse payer des billets. Donc là c'est parti, Corriban Gang. Corriban Gang. Toi t'avais été à Corriban, je me souviens la première fois que t'étais retourné à Corriban, c'était pour voir le mec qui creuse. Tu sais qui c'est le mec qui creuse? Les esclaves. Non. Arcoon. Non. La première fois que t'es revenu à Corriban, c'était pas pour aller voir Arcoon. Je sais plus. Pour aller voir le mec qui creuse. Je sais pas qui c'est. Mais c'est ce bon vieux Seigneur Creusis. Celui qui a levé le masque de ton ancêtre. Non mais c'était nul. Quoi? C'était vachement nul. Bah c'est Seigneur Creusis quoi, genre ma blague était nulle. C'est ta blague. Tu es trop le fou en fait. Oh là 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 là, le conseil noir. Tu sais qu'on va dans deux chambres du conseil noir, on va dans deux chambres du conseil noir différentes. Ça me fume. Toi tu vas dans ta chambre du conseil noir, moi je vais dans ma chambre du conseil noir. Yeeha. Poum 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 na 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 na. Allez c'est parti. Tu sais que je peux vraiment pas aller jusqu'à qu'on finisse mec. On va aller. Bah allez, c'est parti, mec. Hein. Allez, hop, 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 on finit tout là. Hein. On est chaud ou on est pas chaud? On est chaud. Ah, on est venu des deux côtés différents en plus. Pourquoi y a une vieille créature qui se promène ici? Ah, mais attends, mais on parle de créature. Je sais ce qu'il va mettre. Ah non, ah, je pense. Ah, ça va, j'ai eu peur. Je pensais que t'allais mettre le Jawa. J'ai sué moi. Bon du coup les gars, on finit aujourd'hui. Bon, c'est pas le dernier épisode, mais on finit aujourd'hui. Allez, on y va. Au fond, attends, le mien c'est plus près. Vas-y, on va tirer. Je sais pas, moi je suis parti à gauche. Mais... Bah, en fait, c'est que c'est deux chambres du conseil noir. Hein. C'est juste que c'est pas les mêmes. Oh, regarde mec, il y a un gars qui finit. Ah non, en fait, pas du tout, il est niveau 20. Non, en fait, c'est que c'est deux... Parce que tu regardes bien sur ta map, c'est deux fois les mêmes. Juste que c'est dans des endroits différents. Mais c'est la même truc, c'est les chambres du conseil noir. Du coup les gars, on va aller parler à Dark Voron pour aller éliminer Dark Barras. C'est parti la team. Je suis là, il n'y a pas de temps à perdre. Barras a convoqué une session extraordinaire du conseil pour annoncer officiellement qu'il est la voix de l'empereur. Je suis en retard. Juste ce qu'il faut.
Votre ancien maître et les darks les plus puissants de la galaxie attendent. À vous de jouer. Je ne me suis jamais senti plus vivant. Passez devant. Le mec pistonné. Mais maintenant, c'est parti. Les 12 sites les plus puissants de la galaxie. Je viens vous fumer. T'en profites. Quoi? Ah, je suis là, donc les sites les plus puissants, ça va 2 minutes. Ouais, enfin, hors nous. Parce que sinon, moi, je suis dedans aussi, quoi. Au bout d'un moment, j'ai martyrisé un Dark comme de rien, donc... Et je vais fumer un autre mec du Conseil Noir, donc bon. J'espère que c'est Dark Voron qui arrive. Ne faites pas comme si vous m'attendiez, Barras. Intéressant. Ce n'est pas le moment de jouer, Voron. Je suis la furie de l'Empereur, choisie par le Maître Suprême lui-même. Je connais sa volonté. Et Barras n'est pas la voix. Écoutez la vérité, mes amis. Vous êtes les victimes d'un coup de force impitoyable et déloyal. Voron, pour je ne sais quelle raison, cupidité, jalousie, vous refusez d'accepter la réalité. C'est une dernière tentative désespérée. Écoute-moi, Conseil Noir. Cet enfant n'est pas la furie de notre empereur. Il est l'illusion à laquelle s'accroche Voron. L'empereur me dira ce qu'il faut faire de Voron. Pour l'instant, aidez-moi à détruire cette ordure. Qui ose affronter la furie de l'empereur ? Est-ce une menace, jeune homme ? Méfiez-vous. Le souhait de Barras pourrait s'exaucer. Non. Barras prétend être la voix. Ce seigneur prétend être la furie. Je refuse de provoquer l'empereur. Celui qui est en vie dit la vérité. Très bien. Le maître accorde à l'esclave son dernier souhait. L'empereur exige ta mort. Attaque-moi si tu oses. Je n'ai jamais été votre esclave. Et je ne le serai jamais. Allez, la fin. Mais il a 2500 de vie. Mais quoi? Quoi? Mais... Mais il est sérieux. Mais il est niveau 10, ce con. Mais... Mais non. Mais non. Mais... Oh non, mais je peux plus, mais... Mais vieux, mais... Oh là 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 là. Il est là, Thanaton. Vas-y, fume-le tant qu'à faire, 5000 de vie, allez. N'en parle plus. On verra s'il a vraiment 5000 de vie. On n'en parle plus. Même à Caron, là, Caron 2500, c'est quoi ces saucisses? Puis l'autre 450, là, lui c'est un mec du Conseil Noir, 450 de vie, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais vieux, même un soldat de l'impériaux des morts, il a plus de vie. Bon, Decimus, 450 de vie, c'est pareil, c'est quoi ces conneries? Foutez de la gueule du monde ou quoi? Oh là 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 là. Bon. Je m'en souviendrai, et un jour, vous regretterez d'avoir dit ça. Tu en as assez, petit? Est-ce que tu sens la vie t'échapper? Pourquoi continuer à vouloir te venger? Accepte ta mort. On dirait que vous avez autant de mal à respirer que moi. Tu as l'air épuisé. Votre champion est en train de faiblir, Voron. Et vous serez le suivant. Est-ce que ça vient de vous ou de l'empereur? Barras, j'ai du mal à faire la différence. N'essayez pas de vous moquer de moi. Ton protecteur vient de faire en sorte que ta souffrance soit épique, jeune homme. Maintenant, meurs! T'es encore plus moche sans masque. Bon, ouais. Écoute, c'est pas avec tes 2500 de vie que tu vas me faire chier. Autant te coucher, garçon. Hein? Je vais prendre le signe. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Oh! T'as vu comment il a envoyé? J'étais qu'une balle! Attends, Ah non, mais tu sais que j'ai 1360. Et mec, on est abaissé aussi. Regarde, on a 1300 de vie, t'as vu? Okay. Ouais, nous aussi on est abaissé. Enfin bon, nous, on vrai, on est 54 rabaissés. Hein. Lui, c'est un vrai niveau 10.
Bon, allez. Ton esprit est tendre, émoussé, indiscipliné. Je m'en souviendrai. Et un jour, vous regretterez d'avoir dit ça. Vous êtes épuisé, Barras. Vous n'êtes qu'un souffle de la destruction. Non. Mes pouvoirs m'abandonnent. Suppliez-moi de vous laisser la vie sauve. Ah ! Je demande au Conseil Noir de tuer ce fou ! Maintenant ! L'Empereur l'exige ! Dakmar, attaquez au nom de l'Empereur, ou vous vous attirerez sa défaveur ! Je pense que je vais courir le risque. Ravage ! Avez-vous perdu la raison, vous aussi ? Défendez-moi ! Défendez la voix ! Je ne m'opposerai pas à la furie de l'Empereur. Tu crois que tu as gagné ? Tu penses que tu peux faire taire la véritable voix de l'Empereur ? Donne le coup de grâce dans ce cas ! Par-delà les ténèbres, je t'aurai ! Un jour, je me vengerai ! Personne ne se mettra en travers de ma route. Je me suis bien fait comprendre ? Rien ne peut me détruire ! Message reçu, mon ami. Vous avez apporté la preuve que vous êtes vraiment touché par l'Empereur. Le Conseil Noir sait que la furie de l'Empereur a carte blanche. Nous vous reconnaissons, furie. Nous ne nous opposerons pas à vos actes tant qu'ils ne s'opposeront pas aux nôtres. Vous n'avez de compte à rendre qu'à notre Maître Suprême. J'ai hâte d'aider le Conseil Noir dans ses affaires les plus essentielles. Alors notre pouvoir a augmenté. Faites trembler les ennemis de l'Empereur. La furie de l'Empereur les brûlera tous. J'ai fumé ce vieux fou. Ah non, mais mec. Oh là 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 là. Je m'en souviendrai, Barras. Et un jour, vous regretterez d'avoir dit ça. Oh mec, j'ai un truc sur ma gueule. Tu sais, regarde ce que c'est. Ah, t'as mis Dark. Regarde. Non. Regarde. C'est celui de Barras ? Non, je pense pas. Oh putain, t'es... Oh là, tu fais peur. Ouais, je sais. Mais je l'ai enlevé, de toute façon. Mais si je vais le garder dans mon inventaire pour... Attends, je suis vraiment Dark ? Oh oui ! Oui ! Dark Power obscuré dans la place, la team ! Maintenant, on va fumer l'autre fou du Conseil Noir. C'est parti. Excellence, son maître était corrompu. Il est corrompu. Sans les traditions Sith, nous ne sommes rien. Et que suggérez-vous que nous y fassions ? Vous savez ce qu'exige la situation. L'ordre doit être maintenu. Le châtiment exemplaire. Si nous voulons vaincre nos ennemis, l'ancien apprenti de Zash doit mourir. Il a fui la reine du Khagat en quittant Corellia. C'est à moi de le tuer. I stack my money tall as a mountain. All this ice got me dripping like a fountain. I gotta run it up on paper counting. Bitch, I'm doing numbers like accounting. I stack my money tall as a mountain. All this ice got me dripping like a fountain. I gotta run it up on paper counting. Bitch, I'm doing numbers like accounting.